Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu aujourd'hui. Je suis en joie d'abord pour commencer. Ok, bon, on va se concentrer. Merci beaucoup. Je m'appelle Nyans Reborn et le témoignage que vous allez écouter est la suite d'un témoignage que nous avons fait sur la chaîne, que tout le monde a apprécié. Waouh! Alors, c'est digne d'intérêt. Ok. Le monsieur qui va parler s'appelle tout simplement Jonas, c'est un ex-sataniste. Sorti du monde des ténèbres, il dévoile maintenant ce qu'il a vu et entendu dans le monde des ténèbres. Dans ce témoignage, il parlera des 10 commandements de Satan, mais également comment il est arrivé jusqu'à voir Satan au travers de sa femme sirène qu'il appelle même Hélène. Alors, suivez ce témoignage. Et si vous voulez voir le témoignage qui l'a précédé, allez sur la chaîne et voyez les vidéos populaires. Vous verrez la partie 1 se trouve là-bas où on a dit Jonas, ex-sataniste, mon mariage avec une sirène. Même dans la barre de recherche, même dans la barre de recherche de YouTube, en dessous de la vidéo, vous pouvez retrouver cette vidéo qui va vraiment vous édifier. Alors, ne perdons pas de temps. Allons directement dans le but du sujet. Alors, que le Saint-Esprit soit disposé. Surtout, priez d'abord. Te pose, priez maintenant. Seigneur Jésus-Christ, viens dans ma vie. Protège-moi et enseigne-moi. Amen. Alors, c'est parti, Silence Reborn, pour une vidéo intéressante pour vous aujourd'hui. Bonne journée à tous et bon visionnage. Peuple de Dieu, bonjour. Taifa ya Mungu, amuchambo. Nous continuons avec le témoignage. Tunaendelea na ushuhuda. Aujourd'hui, nous allons parler sur une réunion qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique. Leo tutasema juu ya mkusanyiko mmoja ambaye balifanyaka kule chini ya uketo ya océan Atlantique. Plus précisément dans la maison blanche de Lucifer. Munyumba ile banaita maison blanche ya Lucifer. Amen. J'ai devais en principe continuer aujourd'hui avec une partie sur le catch. Leo nilipasha kuendelesha na sehemu moja juu ya catch. Mais quand j'étais en prière la nuit, lakini wakati nilikuwa ndani ya maombi usiku, le Seigneur m'a demandé de parler sur le diable. Bwana aliniomba niseme kuhusu ibilisi. Sur ce que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Jua ile ambayo ibilisi anafanya maisha ya wana wa Mungu. Il y a certaines choses que les enfants de Dieu font. Kuko vitu vingine ambayo wana wa Mungu wanafanya. Ils croient que c'est normal. Wanazania sema ni bia usawa. Or c'est le diable qui les pousse à faire ça. Lakini ni shetani anabasukuma kuifanya vile. Amen. Aujourd'hui, Léo, je vous présente le Dieu de la deuxième chance. Il m'a accordé une deuxième chance. Il avait même accordé la deuxième chance à un homme qui s'appelait Samson. Quand Samson s'était humilié devant Dieu, wakati Samson alijinyenyekea zambele ya Mungu, ayant reconnu le péché qu'il a commis devant Dieu, mwenye kutambua zambi alifanya mbele ya Mungu, quand il a trahi son Dieu, wakati alimkosea Mungu wake, en dévoilant le secret de sa force, kutosha siri ya nguvu yake. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Le premier livre, c'est le livre des juges. Kitabu kia kwanza ni kitabu kia wamzi. Le chapitre 16 et le verset 28. Sura ya kumi na sita na mustari ya makumi mbili na mnane. Le deuxième livre, ni kitabu kia pili. C'est le livre de lamentation de Jérémie. Ni kitabu kia maombolezo ya Elia. Le chapitre 3. Mustari wa tatu. Du 22e jusqu'au 23e verset. Toka makumi mbili, mustari makumi mbili na mbili, paka makumi mbili na tatu. Juge 16, chapitre 16, verset 28, nous lisons au nom de Jésus. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Naivi Samson yakamuita Bwana akasema, Seigneur Éternel, Bwana wa milele, souviens-toi de moi. Unikumbuke, je te prie. Nakuomba. Ô Dieu, Ee Mungu, donne-moi de la force seulement cette fois. Unipete na nguvu mara hii, et que d'un seul coup, na mara moja tu, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Kwa ngumi moja tu niapize kisasi kwa Filistini juu ya macho yangu mbili. Lamentation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Maombolezo ya Yeremia sura ya 3, tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Wema wa Mungu haimalizike.
Ses compassions ne sont pas à leur terme. Na huruma wake haifike mwisho yayo. Elle se renouvelle chaque matin. Inajifanya upya kila asubuhi. Oh que ta fidélité. Et uaminifu wako inakuwa kubwa sana. Amen. Amen. J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Napenda mpate kunifuata katika usawa. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ce que le diable nous avait dit. Leo nitasema juu ile ambayo ibilisi alituambiaka. C'était dans une réunion. Ilikuwa ni mkusanyiko moja qui s'était passé au fond de l'océan Atlantique. Na ile ilifanyika chini ya océan Atlantique. Dans les jours précédents, mumasiko ambaye ilipita, j'avais dit ici, nilisemaka hapa, que le diable, asema ibilisi, dans ce monde, mwi dunia, il a trois grands temples. Eko na maikalu tatu kubwa. En dehors de ces trois grands temples, na inje ile maikalu tatu kubwa, il y a d'autres maisons, na kuko manyumba ingine, sataniques. Ile ya ibilisi. Il y a des loges mystiques, kuko ile machumba ya wa mystique. Et de maisons, na machumba, telles que la maison Louis Gilbert, sa ville ile njina, nyumba Louis Gilbert, maison Lombard, ile nyumba Lombard, maison d'onction, na nyumba ya upako, maison blanche foire de Kisangani, na ile maison blanche foire ya Kisangani. Il y a beaucoup de maisons, na kuko machumba mingi. Amen. Amen. Ce sont des petites extensions, ni tumanyumba tule twa tunakwa basha kabula kabula mbamba. Mais lui Satan, lakini yeye ibilisi, il a seulement trois grands temples dans ce monde. Eko na maikalu tatu kubwa ndani ya dunia hii. Le premier temple, ekalu ya kwanza, se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. Iko kule kwa Angleterre chini ya udongo. Et c'est là où règne le gouverneur de Lucifer. Na ni kule kunakuwa liwali wa Lucifero. C'est lui qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses ainsi que les églises de Satan. Ule anaongoza mavitu vyote muile madini ya uongo ya ibilisi. Le deuxième temple, na ikalu ya pili, se trouve en Inde. Iko ndani kule ku Inde, et encore dans le sous-sol. Tena chini ya udongo. On appelle ça le temple de Dail. Banaita yo ekalu ya Dail. Et c'est là où règne le premier ministre de Lucifer. C'est un vieillard. Dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur ma rencontre avec le premier ministre de Lucifer. Le troisième temple se trouve au fond de l'eau, c'est-à-dire au point de rencontre des deux océans, l'océan Atlantique et l'océan Indien. Océan Atlantique na océan Indien. À leur point de rencontre, il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude. Et quand vous descendez à partir de là, vous descendez en profondeur, vous allez trouver un grand temple, un grand bâtiment qui est vraiment vaste. Chumba munene sana. Et c'est tellement vaste, ça dépasse même la superficie de notre pays, le Congo. Et c'est un grand temple qui a plusieurs départements. Ce grand temple a la couleur blanche. C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer. C'est là où Lucifer s'est réuni avec tous les satanistes du monde entier. Ici, quand je parle des satanistes du monde entier, je ne parle pas sur les sorciers, je ne parle pas sur les magiciens, je ne parle pas sur les petits catcheurs qui sont ici à Lubumbashi, ou des petits catcheurs qui sont à Kinshasa. Non, là je parle des représentants dans les mystère de l'air. Je vous ai dit dans les jours précédents que moi j'étais le représentant du troisième degré dans le mystère de l'air. J'avais 406 démons qui étaient à mon service. En dehors de ces démons-là, j'avais aussi un ange qui était tombé avec Lucifer du ciel. Son nom c'était Nemadel. Jina lake ilikuwa
Adèle. Je le voyais 5 fois par an. Dans un intervalle de 73 jours. Quand vous faites 73 fois 5, vous allez trouver 365. Ce qui est l'équivalent d'une année. Amen. En dehors de cela, na inje ile, j'avais 4 déesses. Nilikuwa na wafalme wanawake ine. Il y avait la déesse Sela. Ile miungu wanamuita Stella. Sela. Sela, celle qui s'occupe de la maternité ainsi que la fécondité. Ula nangaria maneno ya uzao. Et là, je vous parlerai comment est-ce que j'ai créé les avortements. Na pale nitamionsha namna kanimili anza kutunga maneno kupomona mimba. Les fausses couches. Kumimba kutoka mbele ya wakati ifike mwisho yao. Je mettais la marque de Lucifer. Namna kanianza kutia ile alama ya Lucifero sur les enfants. Dieu a watoto de différentes maternités où je me rendais. Tokia machumba ya kuzalia ya mingi kule nilianza kwenda. J'ai collaboré avec les sages-femmes qu'on appelle les aides accoucheuses. Nilianza kupatana na wale wa kuzalishana wanawake. Je vous parlerai de cela. Nitamiambia tena juu ile. J'ai travaillé aussi avec Joanna. Nilianza tena kutumika na Joanna. Joanna, c'est cette déesse qui s'occupe, donc celle qui gère tous les foyers païens du monde. Joanna ni huyu Mungu mwanamke ule alikuwa yuko na linda majosi yote ya wa Kristo wa dunia. Après Joanna, j'ai travaillé aussi avec Vasita. Kisha Joanna nilitumika na Vasita. C'est celle qui s'occupe du portail de Marthe. Ni ule yuko naangalia maneno ile mlango ya Marthe. C'est-à-dire l'ouverture du monde astral. Ni kusema kwa kuingilia kwa ile ulimwengu ya manyota na vingine. Le monde astral, ile ulimwengu ya manyota, n'est autre que l'endroit où vont tous ceux qui meurent loin de Jésus-Christ. Ndio kule kunaendaka bale bantu bote beko nakufa mbali na Yesu Kristo. Ceux qui meurent dans le péché. Bale beko nakufa ndani ya dhambi. Il y a des gens qui font des erreurs. Kuko watu wanafanya makosa. Ils disent si je meurs, nasema kama nakufa, c'est la fin. Ndio mwisho. De trompe toi. Hapana kujidanganya. Amen. Si tu meurs dans le péché, sache que c'est le début de la souffrance. Demain, je vais vous parler sur le mystère de la mort. Amen, amen. Il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper. Ce grand rendez-vous, c'est la mort. Et la Bible nous dit, la Bible nasema, dans Ecclésiaste 8:8, Ecclésiaste 8:8, la Bible dit que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune force sur le jour de la mort. Quand la mort vient, wakati lufu lunakuja, qui que tu sois, ukue nani, que tu sois riche ou pauvre, uwe mtajiri wala maskini, il n'y a rien que tu peux dire. Hakuna kitu ambacho unaweza kusema. L'essentiel ya kawaida, c'est être prêt. Ni ukue tayari. Quand la mort vient, wakati lufu inakuja, si tu es prêt, kama uko tayari, sache que tu iras dans le lieu de repos. Utaenda ufazi ya mapumziko. La Bible dit, Biblia nasema, heureux dès à présent, heri tokea sasa, le mort qui meurt dans le Seigneur, wafu wanakufa ndani ya Bwana, car ils vont se reposer, wakamana watenda kupumzika, et leurs œuvres les accompagnent. Na makazi yao itawasindikiza. Amen, amen. Je parlerai de cela demain. Nitasema tena juu ile kesho. Amen. Parce que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui parlent sur le monde invisible. Le deuxième monde. Mais ils ne savent pas de quoi s'agit-il. Demain, je vais vous parler sur le monde de Satan. C'est-à-dire le monde de Pandémignon. Qui est un ensemble. Divisé en 3 sous-ensembles. Là, nous avons le monde de Tartarus. Après le monde de Tartarus, vient le monde de Pollyon. Et on termine avec la troisième partie qui est le monde astral. Ça, c'est ce qu'on va expliquer demain. Amen. Amen. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses afin de bien combattre le diable et afin de bien marcher. Amen. Mes bien-aimés, le mercredi, on parlera sur la puissance de l'adoration. Et là, vous allez découvrir qu'il y a certaines personnes, au travers de leurs actes, ils adorent le diable sans le savoir. Ils sont poussés par des démons. Amen.
Et là, je vous donnerai les noms des démons. Je vous donnerai leurs heures de travail. Même leurs jours de travail. On commencera par lundi jusqu'au dimanche. Je vous donnerai leurs noms. Leurs heures de travail. Même leurs missions dans le monde. Ainsi, à partir de cela, toi-même, tu peux analyser ta vie. Hein. Et là, tu vas trouver que le diable, il a encore une main mise sur toi. Bien-aimé, nous devons tout faire pour nous débarrasser du péché. Le péché, c'est ce qui donne l'accès au diable d'entrer dans nos vies. Amen, amen. 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 Sachez, mes bien-aimés, je vous dis clairement, le témoignage que je vous donne, je le donne par amour. Et sachez que, en faisant ce que je fais, je mets ma vie en danger. Un danger permanent. On a déjà cherché à me tuer à maintes reprises. Mais le Seigneur continue à me protéger. Je sais une chose. Si je meurs pour la cause de Jésus, la mort pour moi, ça sera juste un petit sommeil. Et lorsque ce jour-là, quand la trompette va sonner, je sortirai pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, bien-aimés, nous devons tous servir Dieu. Dieu nous a créés pour sa gloire. Nous devons le servir. Et la Bible dit, quiconque cherchera à protéger sa vie, perdra. Mais celui qui la perdra pour la cause de Jésus la retrouvera. Amen. Je ne sais pas si en vous, si Dieu est commandant en vous, si vous avez déjà expérimenté la grâce de Dieu. Et bien aimé, quand je commence à analyser comment Jésus m'a délivré, si je commence à voir le mal que j'ai fait dans ce monde, tel que vous me voyez, si on devait me juger selon un tribunal humain, on devait m'attacher au stade à un poteau, et on devait tirer sur moi, parce que j'étais un criminel, un assassin. Mais lakini, Seigneur Jésus, Yesu Christo, celui qui est mon avocat, niye anakuwa mwamuzi wangu, un Dieu miséricordieux, Mungu mwenye rehema, ce qu'il a fait dans ma vie, ile anambaye alifanya maisha yangu, ça dépasse mon entendement. Ina je vous dis vrai. Inapita kusikilisa kwa maneno yangu. Amen. Amen. Pendant que je servais le diable, il est arrivé un moment, on m'avait convoqué en Inde. Et Krishna, le démon, était venu chez moi. Krishna, ndemona, likujaka kwangu. J'avais tracé la circonférence. Nilifanyaka kivringo moja. Et après j'avais gravé une croix à l'intérieur. Kisha nilitiaka msalaba moja ndani. Et Krishna m'avait rejoint là-bas. Na Krishna alinikutaka mule. Il m'avait conduit en Inde. Akanipeleka mu Inde. Et quand j'étais arrivé, wakati nilifika, on avait introduit dans mon corps trois serpents. Balingishaka ndani ya mwili yangu banyoka tatu. Les trois serpents dont je parle, ce n'étaient pas des serpents qui avaient été introduits dans mon corps spirituellement. Physiquement. Et quand on introduisait cela, on ne m'avait pas soumis à l'anesthésie. J'ai des cicatrices, même maintenant. Là, on a fait entrer des serpents. Le premier serpent était dans mon bras de gauche. Ce serpent avait comme mission de tuer toute fille qui pouvait coucher avec moi. Parce que j'étais marié de l'autre côté. Ici, j'attire l'attention des sœurs.
Il y a certaines sœurs qui ont une mauvaise habitude de changer les hommes comme on change les habits sur le corps. Continue comme ça. Endelea. Un jour, Shikumoya, tu vas tomber sur un sataniste qui est marié dans le monde de ténèbres. Et ce jour-là, ce sera la fin de ta vie. La magie, le satanisme, ce n'est pas quelque chose qui se lit sur le visage. Uchawi na maneno ya shetani aina kitu ambacho utasoma pa uso. Faites attention. Kebange. Le deuxième serpent. Nyoka wa pili. Il était dans ma tête. Alikuwa ndani ya kichwa yangu. Ce deuxième serpent avait comme mission, c'est à partir de ce serpent que je pouvais me transformer en femme. Nyoka ule wa pili alikuwa kama na kazi kupitia yeye nilipaswa kubadilika mimi na kuwa mwanamke. Quand je me transformais en femme. Wakati nilianza kubadilika kuwa mwanamke. Je m'habillais très mal. Nikaanza kuvaa mbaya sana. Les habillements sexy. Ile mavazi ya kunilamata kwa maungo ya kukoko. Les habillements provocateurs. Iko na chokoza wanaume mwakiri. Pour faire tomber les hommes de Dieu dans l'adultère. Chuba ntumisha Mungu banguke mubusharati. Je vous parlerai de toutes les stratégies, les techniques que j'utilisais. Nitamiambia juu ya maufundi yote ambayo nilianza kutumia. Après, j'avais un troisième serpent. Kisha nilikuwa na nyoka watatu. Celui-là, on l'avait introduit à partir de la bouche. Ule baliningishaka yeye tokia kinywa. C'était un serpent noir, cobra. Alikuwa ni nyoka moja mweusi cobra. Dans la langue indienne, on l'appelle Kudalini. Muluga ya kiindia banamuita Kudalini. On l'avait introduit dans mon corps à partir de la bouche. Bale mungishaka mumwili yangu tokia kinywa. Et celui-là, il était allé s'enrouler tout autour de ma colonne vertébrale. Na ula rienda kujunguluka colonne vertébrale yangu. Et sa tête était à ce niveau. Kichwa yake ilikuwa mwiki pimo ya kifua. Alors comme il était en moi. Savi ilikuwa ndani yangu. Lui, il ne buvait pas de l'eau. Ya kwanze kunywa mai. Lui, c'est seulement le sang humain. Ye ni paka damu ya bantu. Alors comme il était en moi. Savi ilikuwa ndani yangu. J'étais obligé de boire le sang humain chaque jour. Nilikazishwa kunywa damu ya watu kila siku juu nipate kumunywisha na yeye mule ndani. Je faisais ça. Nilianza kufanya ile. Quand j'étais là, wakati nilikuwa pale, on m'avait donné maintenant le pouvoir de métamorphose. Balinipatiaka ile uwezo ya kujibadilisha. Je pouvais me transformer en moustique. Niliweza kuwa moustique. Je pouvais me transformer en hibou. Niliweza kuwa fuifui. Épervier. Niliweza kuwa tena épervier. Serpent. Nyoka. Crocodile. Mamba. Grenouille. Kula. Je vous expliquerai comment ce que je faisais avec ces différentes formes. Nitamifasiria namna ile mimi kufanya na ile aina ya kujibadilisha. Après cela, kisha yake, on m'avait demandé de donner 4 fûts remplis du sang humain. Bali niombaka mantuku ine ya kujazwa na damu ya watu. Et j'avais donné ça. Na mimi ipeleka ka ile. J'étais vraiment spécialiste dans les accidents de circulation. Nilikuwa mtu ambaye alianza kufanyishisha sana ile misiba ya magari. Tout ça, yote ile, pour le diable. Dieu ibilisi. Moi qui a été créé à l'image de Dieu. Mi ule niliumbwa kwa picha ya Mungu, kwa kufanana na Mungu. Et à la fin, qu'est-ce que le diable m'a donné comme salaire? Na kumwisho ibilisi alinipa nini kama mshahara? De chaînes et un cadenas. Alipatia minyololo na cadenas. Amen. C'est pour te dire, même toi qui es ici. Nicho kuambia hata wewe ule uko. Toi qui traînes encore dans la sorcellerie. Wewe ingari na kawia tena mobuloji. Fais attention. Lorsque tu vas mourir, le diable ne va pas te remercier. Mais tu vas te retrouver avec des chaînes et un cadenas à la bouche dans le monde astral. Il y a des gens qui ont servi le diable dans ce monde, dans ce pays. Et quand j'étais de l'autre côté, dans le monde astral, moi, avec mes yeux, na macho yangu, j'ai vu Mobutu. Niliona Mobutu avec des chaînes, na minyololo, et un cadenas. Na kofiri. Je l'ai trouvé là-bas. Nilimkuta kule. Et au moment où je vous parle, il est là. Na wakati ni unaniambia eko kule. Alors pourquoi toi tu traînes avec cette saleté de sorcellerie? Jua nini wako na kawia na ile buchafu ya buloji? Tu traînes avec ça. Wako nachelewa jua nini? À partir de demain. Tokia kesho. Si tu viens avec cette histoire ici. Pendant le témoignage, wakati ya ushuhuda, j'essaie de faire tes manœuvres. Unapenda kufanya ile mabintu yako. Je vais te citer. Nitakushonta. Je vais te citer à victoire. Nitakushonta wewe. Amen. Amen.
tel que vous me voyez, je n'ai pas besoin de la prophétie pour découvrir un sorcier. J'ai fait 25 ans avec les démons. Je n'ai pas familiarisé avec eux. Et quand il y a des sorciers, je n'ai pas besoin de prophétie. Je regarde seulement, je dis il y a un sorcier. Alors demain, faites attention. Amen. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Tu n'es pas continuer? Amen. Pendant que je continuais à servir le diable, quand j'étais en Inde, quand on m'a donné toutes ces différentes formes, je devais maintenant montrer que j'avais le cœur, j'avais le sang-froid. Alors, étant là-bas dans le temple, on a amené un sataniste devant moi. C'est un sataniste qui avait désobéi aux interdits. Alors on m'a demandé de le tuer avec mes mains. Je l'avais tué avec mes mains. Et quand il était par terre, on m'avait demandé d'enlever le foie avec ma main. Et j'avais fait ça. J'ai introduit ma main dans son corps. Et là, j'ai soutiré le foie. Et j'avais brandi comme ça. Et on avait acclamé. Et après ça, on m'avait conduit dans une pièce. Arrivé là, il y avait une sorte de baignoire. Il y avait de l'eau à l'ébullition. Et on m'avait dit d'entrer dans cette eau-là et de commencer à nager. Alors là, je devais commencer par faire le zen. Le zen, le vide de l'esprit. C'est un principe yogiste. Alors je m'étais concentré et j'étais entré dans l'eau. J'ai nagé là-bas. À ma grande surprise, quand j'étais dans l'eau, l'eau qui était à l'ébullition, mais l'eau était froide. Et quand j'étais sorti, on me dit, maintenant tu deviens un sataniste à part entière. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Dans cette pièce-là, il y avait une piscine remplie du sang humain. Et là, on m'avait demandé maintenant de nager dans le sang humain. Et par après, quand j'étais sorti, on me dit, à partir d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'avoir pitié de qui que ce soit. S'il faut tuer, tu dois tuer. Même si c'est ton père, tu dois tuer. Même si ce sont tes frères ou tes soeurs, tu dois tuer. Et après, on m'avait conduit dans une autre pièce. Et là, on a pris une sorte de pommade. C'est-à-dire un mélange de l'eau bénite avec une poudre à canot. C'est-à-dire, c'est comme la poudre noire qu'on trouve dans des piles. Alors, on a pris ce mélange-là. Et on m'avait enduit sur le corps. Et là, j'étais devenu tout noir. Alors, quand j'étais devenu tout noir, on me dit, à partir de ça, tu as maintenant une protection contre toutes les armes blanches. Revolver, couteau. Ma bisou. Et on avait pris un fusil. Akachukua bunduki moja. Calibre 12 avec deux tuyaux. Calibre 12 na mantundu mbiri. On a mis deux balles. Bakatia masashi mbiri. On m'a demandé de me tenir debout. Bananyambia nishimame. Et on a tiré sur moi. Bakani pika yo tuyo angu. Il n'y avait aucun effet. Akukwete ndota moja. Et après ça, kisha yake, on me dit, bakanyambia, tu dois maintenant rencontrer le grand maître. On n'a pas choisi sa kutana dans les bois na kumkubwa. Et pour le rencontrer, tu iras chez ta femme. Utenda kwa mke wako. C'est elle qui te conduira chez le grand maître. Niya takupeleka kule kwa bobule bwana mkubwa. Alors quand j'avais quitté l'Inde, wakati nilitokaka mu India, je devais rentrer à Likasi. Nilipaswa kurudia ku Likasi. Et après cela, je devais aller au cimetière. Nilipaswa kwenda kwa makaburi. Pour déterrer jo kushikulula une tête en squelette. Kichwa moja ya skeleti.
Et c'est ce que j'avais fait. Et j'avais mis ça dans ma chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Amen. Tel que vous êtes là. Quand vous prenez un miroir. Vous regardez dans le miroir. Qu'est-ce qui va apparaître? C'est votre visage. Pour moi, ce n'était pas le cas. Si je regarde souvent dans le miroir, ce n'est pas mon visage qui apparaissait. Mais c'était une tête en squelette. Et je n'étais plus normal. Quand je marchais, mes pieds ne touchaient plus le sol. Les gens voyaient que mes pieds touchaient le sol, mais ce n'était pas vrai. Cette tête-là, il est qui, en squelette. Squelette, c'était un démon, il quoi, démon qui devait me remplacer. Si je suis de l'autre côté chez le diable, ce démon devait me remplacer. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais chez le diable, parce que quand on prend une semaine, on voit clairement que la semaine comporte 7 jours. Mais moi, je vivais comme un être humain seulement 2 jours par semaine. Mais les 5 jours, j'étais chez le diable. Et pendant mon absence, il fallait me remplacer. Ainsi, il y avait un démon qui venait. Il prenait ma place. Il avait la même morphologie que moi. Même visage. C'était un démon. Il portait mes habits. Il causait avec mes amis. Il allait même chez mes parents. Il mangeait même chez mes parents. Ce démon-là, il couchait même avec les petites copines que j'avais par-ci par-là. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Quand la Bible dit fuyez l'impudicité, Dieu sait très bien que derrière l'impudicité, il y a des choses vraiment terribles qui se passent. Tu peux être là, tu te dis j'ai mon fiancé. Oh, non, je suis avec mon copain. Copain. Or le copain lui-même il n'est pas là. Où le copain est de l'autre côté. Copain, mais c'est lui qui est avec toi. C'est lui avec qui tu couches. C'est un démon. Il y a des sœurs qui ont déjà couché avec des démons sans le savoir. Et tu sais, quand tu couches avec un démon, pour avoir un mariage, mais tu vas souffrir. Parce que le démon, lui, il t'a déjà pris en mariage. Tu es déjà sa femme. Il ne pourra jamais accepter de céder qu'une autre personne te prenne en mariage. Non. C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancé. C'est ce démon-là qui travaille dans ta vie. Vous voyez? La Bible dit fuyez. Bible n'a seulement mukimbi. Avec l'impudicité, il ne faut pas négocier. Bouchara, tu n'as pas encore patana nabo. Amen. Avec l'impudicité, il ne faut même pas parler en langue. Bouchara, tu n'as pas encore seulement muluga. Là, il faut seulement fuir. Parle tout nimbio, tout na pindu konanza tout mbio. Amen. Mais je vous dis la vérité. N'a combien au quoi? Même si tu as le don de parler en langue. Attaquez moi, on a une zawa. Avec l'impudicité, prends fuite. Comment on a tout bouchara, tu pinduka, anzambi. Amen. Amen. Alors, je devais maintenant voir le grand maître. Le grand maître n'est autre que Lucifer Satan. J'avais effectué un voyage. J'avais quitté le monde des humains pour aller dans le monde mystique. Et je m'étais rendu particulièrement dans le département qu'on appelle le monde de Polion. Et quand j'étais arrivé là, j'avais trouvé Hélène. Et quand j'étais avec elle, je lui avais dit ceci. Aujourd'hui, Léo, j'ai besoin de voir Satan. Satan, le diable. Hélène me répond en disant, si tu as besoin
de rentrer dans votre monde. Kama unapenda kurudia mwili ulimwengu yenu. Ne dis jamais j'ai besoin de voir Satan. Hapana kusema mimi napenda kuonana na Shetani. Mais tu dois dire j'ai besoin de voir Dieu. Sema mimi napenda kuonana na Mungu. Et j'avais rectifié. J'avais dit à cette femme-là. J'ai besoin de voir Dieu. Alors là, elle était maintenant d'accord. Elle avait fait appel à son chauffeur. Driver. Il était un homme sans tête. Il n'avait ni tête ni cou. Bila kichwa, bila shingo. Et c'est celui-là qui nous conduisait. Et nous étions partis. Amen, amen. Il y a quelque chose, mes bien-aimés, qui s'était passé pendant qu'on était en route. Moi, j'avais demandé à Hélène. Maintenant, l'homme qui nous conduit, ton chauffeur, il n'a pas de tête, kichwa, il n'a pas de cou. Mais où sont partis sa tête et son cou? Kichwa na shingo yake binenda wapi? Hélène me répond en disant, dans votre monde, il y a un nom. Kuko mutu moja. Il y a un nom. Kuko njina moja. Un nom. Njina. Si on prononce ce nom, kama unataya tu ile jina, on prononce ce nom devant notre agent qui est en mission, unataya ile jina mbele ya ule mutu wetu kwa mkazi, il doit y avoir toujours des modifications. Unapasha kwa tu mabadirisho. Non, nos agents sont blessés. Ni kusema batu yetu banapata vidonda. Quand on cite ce nom-là. Alors je demande à Hélène. Mina muuliza Hélène. Le nom-là, c'est quel nom? Ile njina yenyewe, njina kani? Elle me dit c'est un nom. Anasema tu ni njina. Mais je dis quel nom? Nasema njina kani? Elle dit toi comprends seulement que c'est un nom. Oui, chiki, elle a toi sema ni njina. Njina. Amen, amen. C'est le nom de Jésus. Njina la Yesu. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Yulu ya majina yote. Oh, devant ce nom, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser. Que Jésus est Seigneur. Le nom de Jésus. Jina la Yesu. Mais bien aimé, vous savez, il y a des gens, quand vous priez, wakati naomba, vous faites une prière de combat. Unafanya umaombi ya vita, vous faites cela, il y a des gens qui font cela avec une certaine négligence. Vous ne mettez pas du sérieux. Mais si vous aviez des yeux spirituels, vous voyez comment les démons sont blessés. Vous voyez comment les démons prennent fuite. Les démons, ils sont vraiment champions. Quand ils fuient, ils dépassent même nos athlètes que nous voyons la tenir. Ils fuient à une terrible. Si on cite le nom que Jésus, le nom de Jésus. Dina la Yesu. Amen. Et arrivé à un certain niveau, on s'était arrêté. On a laissé la voiture là-bas. On a évolué avec Hélène. Hélène. Et quand nous sommes arrivés près du département de Lucifer. Pour arriver chez le diable, il faut traverser cette barrière. Il n'a pas choisi Tambuka ma barrière Saba. On avait traversé. Tunatambuka. Et par après, kisha yake, Hélène m'avait laissé là. Hélène a kanyacha pale. On m'avait conduit au secrétariat. Bakanipeleka ku secrétariat comme mwandishi. J'ai trouvé le secrétaire de Lucifer au château blanc. Il écoute mwandishi wa Lucifer kule ku chumba mweupe. Il y a une différence entre la maison blanche de Lucifer et le château blanc. Kuko achanisho katikati ile chumba mweupe ya Lucifer na ile château ya mweupe. Amen. Amen. C'est un démon qui se présente avec une apparence féminine. Ni ndemona moja kunaonekanika sa mwanamke. Amen. Son nom c'est Madame Jeanne. Jina lake ni Madame Jeanne. Bon, beaucoup de gens l'ont déjà vu sur les images de cette dame là. Batu bengi bashaka mwona kale picha ule mwanamke. Sur le produit la Rico, Rico. Mwile ile Rico ile. Regardez même le bruit de toilette là qu'on a la Reine de Claire. Ile mama futa ile banandika ka Reine de Claire. Quand vous regardez, il y a une image là d'une dame. Kama unaangalia peko picha moja ya mwanamke mmoja. C'est une dame du monde de ténèbres. Ni mwanamke mmoja mulimwengu ya giza. Quand on m'avait conduit là-bas, wakati banyongozaka kule, elle à son tour, elle m'avait donné des protocoles. Ye na ye akanipatia ba protocole. C'était des gens, hein, alikuwa batu, avec des corps humains, na mwili ya mutu, des queues comme des queues de dinosaures, na mikila sa ya ba dinosaures, avec des touches rouges, na mankanjo ya monya rouge, et de têtes en squelette, na kichwa kya mufupa to squelette. Ce sont ces protocoles-là qui m'avaient conduit chez Lucifer. Il va protocole, va nous quoi Lucifer. Je vous parlerai de tout ce que j'ai fait avec le diable. Mais aujourd'hui, nous allons d'abord nous intéresser à cette réunion-là. Léo, tu t'engages à tuer le mukusaniko. Amen.
Le diable, j'ai pu parler sur ce que j'ai fait avec lui. Le pacte, la manière dont je travaillais dans le satanisme. Alors le diable m'avait donné l'autorisation de participer à toutes les grandes réunions qu'il organise avec le sataniste du monde entier. Amen. Un jour, il y avait une réunion. C'était à 1h du matin. On avait quitté le monde de Pollyonne pour aller au triangle du Cap des Bermudes. Et c'est là où on était descendu en profondeur pour aller dans la maison blanche de Lucifer. Ce que je vais expliquer, j'aimerais que tu me prêtes ton oreille. Que tu suives très bien. Amen. Alors, quand nous étions allés là-bas, avec Hélène, quand nous étions arrivés, et là, j'avais trouvé beaucoup de gens. Amen. Je n'ai pas l'autorisation de citer le nom des gens ici. Mais ça ne vaut même pas la peine. Amen. Beaucoup de gens. Les représentants des églises. Des pasteurs. Pastori. Des grands pasteurs. Ma pastori bakubwa. Qui sont là qui font beaucoup de bruit. Allez, on a fait ma kelele ya mingi. Amen. Ils font beaucoup de bruit. Fa ma kelele ya mingi. Ils portent la peau de d'agneau. Chaque fois l'angoji ya mwana kondo. Mais au dedans, ce sont des loups féroces. Ndani yao ni mbwa mwitu wa makari. Vous allez les reconnaître seulement à partir de leurs actions. Utamutambua tu kupitia matendo yake. Et ici à Lubumbashi, vous les connaissez déjà. Na mu Lubumbashi mnabajua. Ça ne vaut même pas la peine que je puisse citer les noms déjà. Na tabia lazima nitaye manjina bantu. Vous-même, wewe mwenyewe, vous avez le discernement. Uko na kuchunguza kwa roho. Amen. Amen. Amen, amen. J'ai vu Liona, des grands pasteurs. Pastori kubwa. Les représentants d'église. Les gens qui travaillent efficacement dans l'œcuménisme. Faites attention. L'œcuménisme ne vient pas de Dieu. L'œcuménisme vient de Satan. Il maneno ya apostolo musulman moi bon tu sema twende tukafanye misa fulani. Inatokea kwa shetani. Yes. Ça vient de Satan. Inatoka kwa shetani. Amen. Et moi, je prends même ce risque-là, je vous dis. Ceci. Je vous dis ceci. Ici, on organise des cultes œcuméniques. Ne pas de ça, c'est glorifier le diable. Amen. Amen. Alors là, je le dis franchement. Il faut pas assister à des cultes œcuméniques. Amen. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Amen, amen. Amen. Quand nous étions là, le diable, Shetani, il n'était pas encore là. Mais nous étions déjà là. Mais ce n'est pas la même chose avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez la différence, hein? Le diable n'était pas encore là. Mais nous étions déjà là. Et quand il était arrivé, pour saluer sa présence, on s'était tenu debout. On a commencé à acclamer. On a poussé des cris de joie pour accueillir le diable. Mais quand nous voyons dans l'église, au moment de la louange, il y a des gens qui se font passer comme des ministres. Mais si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais ce que Jésus fait pour toi, si tu savais tous les complots qui se font contre toi, et tu vois comment Jésus sème la confusion parmi les ennemis, tu ne veux pas faire ça. Amen, amen. 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 Quand il est arrivé, habillé en toge rouge, son toge l'a brillé. Kanjo ya kileanza kuangala. Et quand il est arrivé,
wakati alifika. Et bien, mais quand vous voyez Lucifer, wapendwa, kama unaona Lucifer, vous n'allez pas croire que c'est lui le diable. Autoyoazia sema yenjo chez mwenye ibilisi. Il est très beau. Muzuri sana. Très beau. Muzuri sana. C'est qu'on vous représente avec des cornes. Il a des masengo, na. Non, ce ne sont que des caricatures. Na mukila, il est une kufuatula kwa watu. Mais quand vous le voyez, lakini kama unamwona, le prince de tir, ule mutawala wa tiro, on l'appelle encore l'astre brillant. Bana mwita tena ile nyota ya kwanga. Très beau. Aye ko muzuri sana. Oh, mais tout ça ce n'est que l'apparence. Hein. Mais en lui, il n'y a que le mal. Le mal. Mabaya. Alors quand il était arrivé, il a commencé par nous remercier pour dire que nous avons gagné beaucoup d'âmes. Vous savez, il n'y a que des enfants de Dieu qui sont distraits. Mes bien-aimés, nous devons gagner les âmes. C'est le temps de la moisson, bien-aimés. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous devons gagner les âmes. Même dans le lieu de travail. Même à l'université. Même si tu es encore élève. Nous avons la mission de gagner les âmes. Mais le diable n'attend pas le bon moment. Il s'est à toute occasion. Il avait dit que vous avez ramené à moi beaucoup de chrétiens. Le diable ne peut pas combattre le musulman. Il ne combat pas ceux-là qui sont dans d'autres religions. Parce que ceux-là, ils sont déjà sous son contrôle. Il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle du diable. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise le œuvre du diable. Dans toutes les réunions de Lucifer, il ne fait que étudier les stratégies. Comment capturer les chrétiens? Amen. Que tu le veuilles ou pas, le diable, Ibilis, il est ton ennemi. Niadui wako. Mais toi, lakini wewe, pour résister au diable, tu as kushindana naye, tu dois être un soldat de Jésus. On a pas choqué askari wa Yesu. Voilà pourquoi Job dit ceci. Yo mana Yobu anasema hivi. On lisait Job 7 verset 1. Wakati unasoma Yobu 7 verset 1. Le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat. Biblia nasema hali ya mtu pa dunia iko saa ile ya askari. Amen, amen. Amen. Quand on parle d'un soldat, cela sous-entend un combat. Wakati wanasema juu ya askari manamaanisha vita. Amen. Amen, amen. Alors quand le diable a commencé à parler, il nous a parlé sur les différentes calamités du côté de l'Indonésie. Vous voyez les tremblements de terre. Mais tout ça c'est le diable. Il utilise un démon qui répond au nom de Bills. Nous avons parlé de ça. Parce que chez le diable, il y a une banque. La banque de sang. Il est banque Adam. Sans le sang, Bill Adam, le diable n'a pas de force. Ibilisi ana na nguvu. Parce que dans le sang, Dani Adam, il y a une énergie. Moko uwezo moja. Il y a une puissance. Moko uwezo moja. C'est la raison pour laquelle le diable ne demande pas le sang de coq ou de poule. Dieu parle à Ibilisi ya omba ke damu ya nkuku ya 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 ya, ya bankuku. On parlera sur le mystère du sang. Tutasema juu ya siri ya damu. Amen. Il y a d'autres choses que je suis obligé de sauter. Quand il était là, il nous avait parlé sur deux codes. C'est à partir de ces deux codes-là que le diable contrôle ce monde. Le premier code, c'est le contrôle du monde. Le deuxième code, c'est comment tourner la Bible dans un mauvais sens. Et après ça, le diable nous avait dit quelque chose. Amen. Il avait dit ceci. Quand je prends le monde entier, l'humanité entière, j'ai 100%. Et dans les 100%, 55% c'est pour moi.
Et le roi de chrétiens, lui, il n'a que 25%. Si je posais cette question ici, amen. Si je demandais, est-ce que le diable sait qu'il a dit, c'est vrai ou c'est faux, il y aura des avis partagés. Il y a d'autres qui diront que c'est vrai, d'autres diront que c'est faux. Amen. Amen. En tant qu'un ex-sataniste, je vous dis que c'est vrai. Amen, amen, amen. C'est vrai. Ce qui est important, c'est que toi, que tu puisses quitter dans le 75 là, et que tu entres dans le 25. Amen. Amen. Nous calculons ensemble. On fait ce calcul. Vous voulez qu'on fasse ce calcul? Amen. Vous voulez qu'on fasse le calcul? Amen, amen, amen. C'est très facile. Quand on prend seulement Matthieu 13, 4 à 8, amen, amen. Suivez-moi attentivement. Là, on parle sur la parabole du semeur. Pendant qu'il faisait son travail, la Bible te dit ceci. Le grain est tombé en 4 endroits différents. Le premier endroit, c'est sur la route. Le deuxième endroit, c'est sur un milieu pierreux. Le troisième endroit, c'est un milieu épineux. Et le troisième endroit, c'est dans la bonne terre. La Bible dit que le grain qui est tombé sur la route, les oiseaux en passant, ils ont pris ce grain. Le grain qui est tombé sur un milieu pierreux, ça a commencé à pousser tellement qu'il n'y avait pas assez de terre. Il y a sa kota na vila kukwe udongo mingi. Asina fané et il n'y avait plus rien. Muzizi ikaligea na ikaa. Le grain qui est tombé dans un milieu épineux. Na ile yanguka katikati ya miba. La graine a il y a la tige qui a commencé. Na ilianza kuchipuka. La tige a commencé. Na ilianza kuchipuka. Mais après ça a été étouffé. Kisha yake bakaivinya. Et le grain qui est tombé dans la bonne terre. Na ile mbego yanguka mubulongo buzuri. Amen. Là, nous voyons le grain a poussé. Il y a eu maintenant des fruits, plusieurs fruits, beaucoup de fruits. Qu'est-ce que cela veut dire? Le grain qui est tombé sur la route, qui a été pris par les oiseaux, ça représente des gens qui viennent à l'église, qui écoutent la parole. Ils disent c'est ça la parole. Ils insistent. Ils sont contents. Et dès que le culte prend fin, en sortant, il arrive là à la porte. Tout ce qu'il a écouté, il reste dans l'église. Il rentre, il rentre chez lui, un païen tout chaud. Ils sont d'ici. N'est-ce pas? À la ville. Le grain qui est tombé sur un milieu pierreux, ça représente des chrétiens. Il écoute la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui écoutent la parole de Dieu. Il sort avec ça. Il va même avec ça chez lui. Mais lorsque les épreuves viennent, lorsque les tentations viennent, il abandonne Dieu. Il abandonne Dieu. Il va même consulter les féticheurs. Il abandonne Dieu. Il commence même à dire, dans notre tribu, seulement notre tribu, on doit faire ça. Il oublie qu'il n'est plus de sa tribu, mais de la tribu de Jésus. Amen. Amen. Et le troisième endroit, là, ça représente les chrétiens qui ont un pied dans l'église et un pied dans le monde. Dieu ne peut pas le mélanger. On ne peut pas le mélanger. Et en fin de compte, c'est le ténèbre sur celui qui va régner. Mais le grain qui est tombé sur la bonne terre, ça représente des chrétiens qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, ils demeurent dans la parole. Dans la volonté de Dieu. Amen. Ainsi, quand on calcule la probabilité, la probabilité, c'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Le cas possible, il y en a 4. Cas favorables pour que le grain ne produise pas de fruits, c'est 3. Quand on fait 3 sur 4, ça fait 0,75%. Amen. Amen. Amen, amen. Amen.
Amen. Quand on prend le nombre de cas favorables, pour que le grain puisse donner des fruits, c'est un. Quand on fait 1 sur 4, c'est donc 0,25%. Maintenant, toi qui m'écoutes, tu es dans les 75. Arrange-toi. Arrange-toi aujourd'hui. Si tu es encore dans le 75, je te supplie au nom de Jésus. Arrange-toi pour quitter le 75. Entre dans le 25. Amen, amen. Amen. On peut continuer. On est quoi? Après cela, qui le diable nous avait dit ceci. Il avait dit ceci. Le chrétien, mon Christ, sont devenus puissants. Wa Christ, wa à cause de leur foi ferme en cet homme-là. Kwa jili ya imani yao kamili ndani ya ule mutu. Vous connaissez cet homme-là? Ule mutu, il ne cite pas son nom. Atuta injina yake. Parce que là, c'est une bombe. Hein? Ni kapata. De l'autre côté. Kule ngambo pile. Alors il dit en cet homme-là. Asema ule mutu ule. Or la foi par définition. Japo imani kwa kusemezea. La foi est une ferme assurance. Il n'y a des choses qu'on espère. Il y a vite tombé une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce qui est écrit dans Hébreux 11 verset 1. Dieu l'a indiqué mon Hébreux 11 verset 1. Alors le diable nous avait dit. Ibilis el tombia. S'ils ont la foi. Comment peut-on imaginer? S'ils ont la foi. Comment peut-on imaginer? Ils deviennent puissants. Bah n'importe où est-ce. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'a pas choisi. Nous devons les affaiblir dans la foi. Il n'a pas choisi. Comment faire? Ils sont dans la foi. Ils sont faibles dans la foi. Ils sont pas au foi. Le diable il sait aussi la Bible. Ibilis il a le la Bible dit ceci. La Bible dit dans Hébreux 11. La Bible dit dans Hébreux 11. La Bible dit sans la foi. Sans la foi. Il ne peut plaire à Dieu. Sans la foi. Alors il a dit nous devons affaiblir le chrétien dans la foi. Et ainsi il nous avait donné les 10 commandements. Et je vais vous donner tous les 10 aujourd'hui. Si tu as un cahier, tu écris les 10 commandements. Amen. Et tu sauras si le diable contrôle ta vie ou pas. Premier commandement de Lucifer. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Même ici, ce n'est pas tout le monde qui aime la prière. Ce n'est pas tout le monde qui aime le jeûne. Amen. 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 Or la Bible nous dit ceci. Japo Biblia nasema. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Thessalonika wa kwanza mstari wa 5. La Bible dit priez sans cesse. Biblia nasema muombe bila kuachilia. Et pour ce qui est du jeûne, Dieu il est lequel manena kufunga. Sachez qu'il y a des démons têtus. Muyo sema kuku mandemo na bakicho maibwe. Qui ne partent pas facilement. Boba na abandaka abando. Pour ces démons là. Na Dieu il est mandemo. Il faut seulement le jeûne. Il n'a pas choisi pas kufunga. Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit. Dieu mana Yesu mo sema. Dans Matthieu 17:21. Il a dit sept sortes de démons. Vanya il est mandemo na il ne peut sortir que par le jeûne et la prière. Ça tombe tout quoi kufunga chakula na maombi. Dans le jeûne il y a la puissance. Dani ya kufunga machakula kuku. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, juste après son baptême, il a été conduit dans le désert. Et là, il était en jeûne. Et en jeûne, il a vaincu le diable déjà là-bas. Il a vaincu le diable en jeûne. Amen. Amen. Deuxième commandement. Amen, amen. Le deuxième commandement dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. Christ ou assommer Bible. Mais laissez-les lire le journaux. Achaba assommer magazeti. Les romans. Ma roman. Ainsi que le livre à caractère religieux. Ma vita vous vio tenir vingine via madini. Vous allez voir parmi nous ici. Il y a des gens qui portent des habits qui coûtent très cher. Amen. Amen. Et le prix de leurs habits dépasse même le prix de la Bible. Amen. 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 Je parlais sur le deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. Christ ou assommer Biblia. Mais laissez-les lire les romans. Acha basome ma roman. Les journaux. Ma gazette. Et les livres à caractère religieux. Na bitabu biote bingine bia madini. Quand on parle de livres à caractère religieux. Wakati banasoma jo le bitabu bia aina madini. Réveillez-vous. Kuko ma réveillez-vous. Tour de garde. Parole parlée. Ce sont des distractions. Inakwani vicho kulengamisha nayo.
Vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible, mais ils ont tout un tas de ce livre dans leur maison. Vous connaissez ce qu'on place dans, entre les pages. La poudre d'aspergesmen. Il est poudre aspergesmen. La poudre qui rend incrédule. Il est la poudre na fanya mutu asipo ashiamini. Au fur et à mesure que vous lisez ces brochures-là, Zaidi kuna soma bile mabitabu, ça vous affaiblit. Kuna kufanya uwe mzaifu. Vous finirez même par nier la divinité de Jésus. Mwisho yote utafika mkukana umungu wa Yesu Kristo. Comme ces gens-là, sa wale watu wana, qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Abatambue umungu wa Yesu Kristo. Pendant que le diable lui-même lui suffère, wakati bilisi mwenyewe il Lucifer, connaît que Jésus est Dieu. Anayua sema Yesu ni Mungu. Au désert, c'est ce qui s'était passé. Quand vous lisez seulement Luc 4, verset 12, wakati unasoma Luka ines mustari le diable, après avoir tenté Jésus, ibilisi kisha kumujaribu le Seigneur Yesu, lui dit, wana kamwambia, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Utamujaribu Bwana Mungu wako. Et le diable s'était retiré. Ibilisi parce qu'il avait reconnu réellement que c'était Dieu. Wamane le tabou a Dieu qui a parlé. Il kwa ni Mungu wako nasema naye. Amen. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu, le diable, ibilisi. Vous savez, bien aimé, le Jehovah Pendwa, le seul véhicule, gari tu moja, que le Saint Esprit utilise pour opérer le miracle. Ile Rom takatifu anatumia jua kufanya miujiza. C'est la parole de Dieu. Ni neno la Mungu. C'est la parole, bien aimé. Ni neno wa Pendwa. Amen. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Il ne s'agit pas seulement de l'écouter. Aifai tu kuisikia. Il faut l'écouter. Ina pasha kuisikia. Et la mettre en pratique. Na kuitia katika tendo. Quand tu écoutes la parole. Wakati unasikia. Et tu la mets en pratique. Na unaitia katika tendo. À ce moment-là, tu as droit au miracle. Pale uko na ruhusa kwa miujiza. Amen, amen. 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 La parole de Dieu. Neno la Mungu. Si tu marches selon la parole de Dieu, fuatana na maandiko takatifu, tu ne vas pas tomber dans le piège de Satan. Hautanguka mumiteko ya Shetani. La Bible nous dit. Kama la Biblia inasema. Psalm 119. Zaburi 119. La Bible dit. Biblia la sema, parole de Dieu. Neno la Mungu. Est une lampe à nos pieds. Fuata, une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est ça le code de la route d'un chrétien. Jo ina kwa kibao cha Mukristo. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Si tu veux réussir dans la vie. Kama unapenda kuweza maisha. Si tu veux avoir du succès dans ce que tu fais. Kama unapenda kufaulu mbele unafanya. Tu dois connaître la parole. Unapaswa kujua neno la Mungu. Kwa Dieu lui-même. Dieu maana Mungu mwenyewe. Dit à Josué. Anamwambia Yoshua. Quand vous lisez Josué chapitre 1 verset 8. Wakati unasoma Yoshua sura ya kwanza mstari wa 8 Mungu anamwambia hivi. Ce livre de la loi. Kitabu cha sheria hii. S'éloigne pas de ta bouche. Usende mbali na midomo yako. Le jour et nuit. Ufikiri usiku na mchana. Agir fidèlement. Tu kutenda katika mwaminifu. Ce qui est écrit. Wapatana na Yesu ndani kwa. Si tu réussis. Dieu maana et tu auras du succès dans tes entreprises. La parole. Mais non. Et mes bien-aimés, j'aimerais ajouter un point. Wapenda na penda kuongeza tena. Le diable ne craint pas la prière. Ibilisi ashongopaje maombi? Parce que les satanistes aussi font de prières. Tu bantu ashetene na bona. Mais le diable, kimi ibilisi, craint la prière. Anaongopaka maombi. Une personne qui a la parole. Ya mtu ambaye kuna neno. Qui a la parole. Ambaye kuna neno. Jésus lui-même. Yesu mwenyewe. Il était au désert. Alikuwa mjango. Il a prié. Aliomba. Il était en jeu. Alikuwa shakufunga chakula. Il a une dimension très élevée. Alifika mtu wa mwana. C'est à ce moment-là que le diable est venu. Na ni pale ndio ibilisi alikuwa. Le diable est venu. Ibilisi alikuwa pale. Et Jésus qui lui dit. Yesu anamwambia. Il est écrit. Il est écrit. Mais on dit quoi? Oui, Jésus. Yeah, yes. Lui-même la parole. Yeah, il se réfère à la parole. Alors toi, lui qui est la parole. Yeah, oui, il se réfère encore à la parole. Tu dois avoir la parole. Oui, pas choix, la parole. Neno. Le soubassement de la prière, c'est la parole. C'est la fondation. Parce que si tu connais la parole, quand tu pries, tu pries connaissant la parole, tu vas seulement rappeler à Dieu sa propre parole. Comme lui, il est toujours derrière sa parole. Il l'accomplit. Quand tu pries, tu connais la parole. Amen, amen, amen. Troisième commandement. Agizo ya tatu. Voilà, amri ya tatu. Nous dit ceci. Nasema hivi. Dites aux chrétiens. Ambia wa Kristo. Que Dieu leur père. Mungu baba yabo. N'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. Ashihitaji ma chekumi yao na masadaka yao. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Ni ba pastori njobe kuna iba. Je reprends. Hein? Nasemulula. Dites aux chrétiens. Ambieni wa Kristo. Que Dieu leur paie. Asema Mungu baba yabo. N'a pas besoin de leurs dîmes et leurs offrandes. Ya shina na lazima ya chekumi mais na sadaka. Ce sont les pasteurs qui les volent. Ni ba pastori njobe kuna baibia. Il y a beaucoup de gens qui ont cette conception. Na kuko batu bengi beko na ile mafikiri.
Mais quand tu donnes ta dîme, wakati unalipa chekumi yako, quand tu donnes tes offrandes, wakati unatoa sadaka, c'est à Dieu que tu donnes. Ni kwa Mungu ambaye unapeleka. Ta dîme tu payes à Dieu. Chekumi unailipa kwa Mungu. Tes offrandes c'est à Dieu. Sadaka ni kwa Mungu ambaye unapeleka. Amen. 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 La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia dans Deutéronome 16:16. Mukumbukumbu la Torati 16:16. Tu ne te présenteras jamais dans la présence de Dieu avec les mains vides. Et quand vous lisez même Deutéronome 12, 17 à 18. Tokia mustari 17 mpaka 18. Strictement, Mungu anakataza sana manger la dîme, kula chekumi à la maison, kunyumba. Et la dîme sur toute chose. Chekumi juu ya kila kitu. Mais Dieu dit ceci. Mungu anasema tu vas amener cela utaileta dans les lieux que le Dieu lui-même choisira. Fazi ambaye Mungu yeye atachagua. Dieu choisi par Dieu. Il fazi ambaye Mungu atachagua. Son temple, son église. Ni kalu yake ni kanisa yake. Amen. Quatrième commandement. Amri ya ine. Laissez les chrétiens pauvres acha ba Christ, ba bake, ba mashkini, en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. Quand on parle sur les offrandes, la dîme, tu sens une lourdeur en toi. Wakati balanza kubiri jo chekumi na sadaka unasikia bujito ndani yako. Sache que le diable, oui, asema shetani, il a une main mise sur toi acha kutia mkono yake juu yako pour te bloquer dans la pauvreté. Tu as kukubakirisha tu mubu mashkini. Pour ce qui est de la bénédiction financière, mes bien-aimés, tu dois savoir donner. Dieu fonctionne avec le principe du cupère-gagne. Amen. Amen. Parce qu'avec Dieu, pamoja na Mungu, il faut savoir donner ce que tu as pour avoir ce que tu n'as pas. C'est ça, Dieu. Amen. Amen. Mais bien aimé, vous savez que offrir à Dieu, c'est craindre Dieu. Si vraiment vous vous dites que moi je marche dans la crainte de Dieu, tu dois aussi offrir à Dieu. Quand tu offres à Dieu, c'est aussi un signe de la crainte de Dieu. Quand Abraham avait offert Isaac, qu'est-ce que l'ange lui avait dit? Quand vous lisez Genèse 22, il dit ceci. Maintenant, je sais que tu crains Dieu. Parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Et Dieu ajoute en disant, par la bouche de l'ange, il dit ceci. À cause de ce que tu as fait, moi Dieu, je jure par moi-même, parole de l'Éternel, je jure que te bénirai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles des cieux, comme le sable qui est au bord de la mer. La Bible nous dit, mes bien-aimés, quand nous lisons Proverbes 3, verset 9 à 10, la Bible dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de tout ton revenu. C'est ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance. Vous voyez l'histoire là de la parabole de l'enfant prodigue. Il a demandé à son père. Il a demandé sa part. Juste là, ce n'était pas un problème. Mais le grand problème, c'est quoi? On lui a donné sa part. Mais en partant, il est parti avec deux parts. Le 9 dixième qui était à lui, et le 1 dixième de Dieu. Quand il est parti avec ça, et là, traitement, le diable lui a suggéré des idées pour abîmer tout ce qu'il avait. Quand tu donnes ta dîme, qu'est-ce qui se passe? Dieu va te donner maintenant des idées pour fructifier ce que tu as. Il ne va pas se limiter là. Il va même menacer celui qui va chercher à toucher à ta bénédiction. Il a dit que je menacerai celui qui dévore. Amen, amen. Amen. Bon, comme le temps file, je préfère que nous arrêtions d'abord aujourd'hui par le quatrième commandement. Demain, on termine avec les autres commandements. Que mon Dieu vous bénisse.